SSIO. Alles oder nix. Du hast Dreadlocks drin, ich werd dich wegboxen. In meinen Socken habe ich Haze-Knospen. Stoffdickerei, dazu bombiger Preis von Bonn am Rhein. Sogar per Post bis nach Mainz. Der Tannenbuscher, der gutes Angebot macht. Leute riechen mein Haze und fallen in Ohnmacht. Was ist los, Mann? Kommst nicht klar auf dein Leben mit EC-Karte, während ich Bar kaufen, Läden in den Taschen. Paar Fuffis, Augentropfen, Maroks bunkern. Das Summi auf den Locken. On aurait l'impression que ces images viennent tout droit du Bronx à New York. Eh bien, non. C'est du côté du parc Kyriakides que le mythe se fait vrai. Des sonorités et des gestuels hors du commun, en sens du rythme particulier. Et le tout très loin de nos regards. Les hip-hoppers, comme ils s'appellent, eh bien, n'ont rien à voir avec les danseurs comme on les connaît. Dans cet univers presque parallèle au nôtre, ces jeunes ne ménagent aucun effort pour suivre le rythme, le popping. Tous les représentants de la région et du Cameroun, challenge vacances, ils s'appellent Pop Big Pop. Le breakdance. Le DJing, le graffiti et bien d'autres constituent les composantes de cette discipline qui a déjà fait parler du Cameroun au niveau international. Battle of the Year, compétition annuelle de breakdance, nous en dit plus. D'autre part, en Europe, les Camerounais ne tarissent pas de talent. Sans toutefois faire fi de l'influence européenne sur l'Afrique, le jeune Abdallah critique le comportement des Africains. Demain, c'est nous qui allons gérer l'Afrique. Pourquoi aller en Europe? Pourquoi prendre des bateaux, sacrifier sa vie pour aller en Europe? Alors qu'ici en Europe, il y a une réalité qui est différente de celle qu'on croit. Parce que, entre guillemets, la plupart des jeunes Africains, ils croient que si tu viens en Europe, tu es riche. Non, c'est dur. C'est dur de venir ici sans papier. Hein? Tu ne pourras pas travailler. Tu ne pourras pas voyager, tu ne pourras pas retourner chez toi, tu ne pourras pas avoir certaines opportunités. Pour moi, en tant que danseur, tu dois rester dans ton pays, travailler dur, et si un Européen a besoin de toi, il vient, il pose les bonnes conditions, toutes les conditions qu'il faut. Il te ramène, tu travailles, tu retournes chez toi, tu investis chez toi. C'est important, parce que tôt ou tard, on va retourner chez nous. Pour Serge Simu, prof de danse à Yaoundé 1, le Cameroun a encore beaucoup de chemin devant lui. Le hip-hop au Cameroun, moi je dirais, on est encore que des enfants. Hein. Nous sommes pas, on ne sait encore rien faire ici. Quand je dis rien fait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de mouvement, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas danser. Mais ça veut simplement dire qu'on, même ce qu'on sait faire, on n'est pas capable à un moment donné d'expliquer. On n'est pas capable de transmettre. On dit, on organise des compétitions, on dit on va faire ci, on dit on va faire ça. Mais dans tout ce domaine-là, on n'y connaît en fait rien. Arnaud Guédenan, promoteur culturel,
exprime son désarroi face à la gestion de ce secteur. Pourquoi ce tableau noir de mon pays? C'est parce qu'en réalité, ceux qui gouvernent le pays aiment prendre des décisions sans prendre en compte des propositions qu'on leur fait. Et c'est devenu de plus en plus un modèle. Même nous-mêmes, quand nous organisons, nous faisons pareil sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que nous voulons faire des choses sans prendre les propositions des uns et des autres. Même si le rôle de l'État reste mitigé, Loïc reste optimiste et entrevoit une issue. Je veux dire que l'État jusqu'ici nous a quand même soutenus parce qu'il y a la Coupe du Cameroun, il y a le championnat du Cameroun. Auparavant, il n'y avait pas la danse et hip-hop dans ces deux compétitions-là. Mais maintenant, ils ont introduit la danse et hip-hop. Ce qui fait que quelque part, ils ont vu que c'est utile d'introduire ça. Et c'est encore quelque chose qui c'est aussi un moyen de nous soutenir. Mais juste que pour l'instant, ce n'est pas assez. Le tout, alors, c'est de quoi? C'est que nous aussi, on doit aller à eux, peut-être proposer ce qu'on peut avoir comme projet, comment ils peuvent nous soutenir de façon meilleure, je ne sais pas. Comment ils peuvent mieux nous soutenir